par rapport à la Coupe Davis, on sait que ça te tient à cœur de jouer avec cette équipe. Comment tu vois justement l'avenir de cette équipe luxembourgeoise? Ouais, l'avenir, ça risque d'être compliqué, hein, si on est réaliste. Je veux dire, on n'a pas vraiment des juniors qui suivent derrière pour l'instant. Hein, je veux dire, il y a des jeunes qui promettent, mais bon, je pense avant qu'ils puissent jouer en équipe de Coupe Davis, il faut compter encore 2-3 ans. Donc, ouais, il y a effectivement un petit souci là derrière, mais bon, moi, tant que je peux, je vais essayer d'aider cette équipe-là. Comme tu dis, ça me tient à cœur. J'y ai commencé quand j'avais 16 ou 17 ans et maintenant voilà, je vise la trentaine et je suis toujours là, donc c'est chouette. Et en même temps, c'est quand même très très dur aussi bien physiquement que mentalement, parce que c'est un peu la même situation que de jouer devant son public. C'est que tout le monde attend que je gagne mes 3 points et que je sauve l'équipe à chaque fois, mais bon, c'est pas si évident que ça, quoi. Donc c'est beaucoup de pression aussi. Et voilà, donc c'est épuisant, mais en même temps c'est toujours beau, c'est des émotions particulières, parce que bon, c'est une des seules fois dans l'année où je joue pour une équipe, où je représente mon pays, donc c'est assez particulier, mais c'est dur aussi.